on n'a rien changé nos habitudes. C'est le genre de match où il ne faut pas qu'on se laisse déborder par les émotions. On le sait que c'est un match particulier, mais c'est un match savoureux. On a passé une semaine fantastique dans l'approche d'une telle rencontre. On rend compte, on peut être champion demain. On peut être champion. Donc c'est juste que du bonheur. Donc il ne faut pas en rajouter. La motivation, elle est naturelle. Les joueurs, ils ont emmagasiné de la confiance. En même temps, il faut savoir qu'on n'est pas... On n'est pas invulnérable. Hein. On peut être battu. Donc il faut rester concentré. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie non plus. Mais concentré en emmagasinant la bonne confiance qui nous permet d'être bon dans le jeu. On sait très bien qu'en face, il va y avoir une équipe, certes, qui n'est pas la même équipe qu'au match aller, mais avec des jeunes joueurs qui vont être avides de se montrer, de montrer à l'entraîneur qu'ils peuvent être importants pour l'année prochaine. On va avoir un match difficile à jouer et c'était le cas contre Reims. On l'a bien préparé de la bonne manière, mais il faut s'y prendre de la même façon. Nous avons notre destin entre nos mains. Moi, je prépare le match de mon équipe. Nous jouons pour gagner. La victoire entraîne au minimum, une place de barragiste. Et si on a le bonheur, la réussite, le talent de gagner avec un écart un petit peu substantiel, on peut passer devant Amiens. Donc, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc là, aujourd'hui, on a déjà un gros challenge devant nous, c'est battre Sochaux sur son terrain. C'est déjà du pain sur la planche. Et après, on verra si on peut faire mieux que ça. On va être, l'ensemble du club va se déplacer, nos familles vont se déplacer, beaucoup de supporters vont faire le déplacement, il va y avoir beaucoup de bleu et blanc dans les tribunes de Bonal, et ça fait chaud au cœur, c'est un soutien très important pour nous. Très important, encore un facteur, s'il en était un, qui va rajouter encore un petit peu à ce facteur émotionnel. Donc c'est pour ça qu'il faudra pas, il faudra bien jongler avec ça, mais c'est important pour nous de nous sentir soutenus et de sentir que des gens croient en l'exploit, parce que si les gens se déplacent, c'est parce qu'ils sont persuadés qu'on va le faire. En tout cas, nous sommes habités, l'ensemble du vestiaire, on est habité par cette conviction qu'on va faire un coup extraordinaire. Voilà. Et on y croit dur comme fer. Et peut-être que c'est le sentiment que l'on donne autour de nous.